C'est l'effet de structure qu'on reprend. C'est très graphique. Het segment van de haute couture, van de couture, is veel minder vertegenwoordigd binnen de Belgische mode. Het Huis Nathan daarentegen focust voornamelijk op die couture-creaties, ambachtelijk gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen in hun ateliers in Brussel. Vandaar dat we het ook belangrijk vinden om in de permanente collectie van het museum een dergelijke couture-creatie te kunnen opnemen. En eindelijk is het zover. Qu'est-ce qu'on a? Oui, l'orange. Un bel orange, oui. Le citron. Oui, le citron. Ouf, oui. Le nude. OK. Ça, dans le poids que vous cherchez, c'est peut-être plus intéressant. Non, géométrique. Ouais. De toute façon, je ferai une encolure plutôt bateau pour que ce soit dégagé. Je ferai para du coup. De Belgen historisch, zoals de Italianen, zoals de Engelsen, zoals de Fransen, hebben een heel nauwe band met producten door de kennis van de ambachten door de eeuwen heen. De laatste 30, 40 jaar zijn de producten geëvolueerd naar merken. In het hart van de Belgen zijn ze de Belgische merken blijven koesteren. En wij zijn ook sociocultureel een van de landen die het meest eigen merken koopt. Van over heel de wereld. Dus heel fier over eigen merken, over eigen producten, over eigen makelij. Les plis, c'est bien, mais c'est pas assez somptueux. Déjà là, oui, c'est pas mal. Il faut du volume, il faut du volume. Il faut qu'elle prenne sa place dans l'espace. Le but, c'est de reprendre ceci. Hein. Ça, ça conviendrait, hein, oui. Parce que oui. Je trouve que cette dentelle très fine donne justement on le garde, caractère. Oui. Hein. Et on regardera aussi pour la... Mais ça, on verra comment on fait la jupe, mais à mon avis, sera beau dans une grande ample. La mode belge est très connue pour son côté avant-gardiste, et en particulier la mode anversoise. Et on peut penser à certains créateurs qui sont connus internationalement. Et c'est vrai que les détaillants, les retailers aiment beaucoup la nouveauté, donc le côté avant-garde permet de faire parler de soi. Il n'empêche qu'il y a de la place pour tous les positionnements, et des marques classiques peuvent avoir un grand succès. Hermès est très classique, Nathan est très classique, ce qui n'empêche pas d'avoir un vrai contenu émotionnel, une diversité de produits intéressante, donc ce n'est pas uniquement le côté avant-garde qui fait que la mode peut avoir du succès. Il faut que la brillance aille partout. Quelques petits points. Non ? Et rendre un peu plus asymétrique pour qu'il soit un peu plus plat. Une asymétrie, ça peut même descendre pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est une fleur. C'est tellement joli. Yes. You look amazing. Staat als een paal boven water dat de competenties en de vaardigheden in België absoluut het internationale niveau evenaren. De kost is hetzelfde als in andere landen, maar de afzetmarkt en de omzetten zijn veel kleiner. En dus dat maakt het geheel voor luxe en modemerken die zelf creëren het model veel kwetsbaarder.